Théâtre National et sur Twiz Radio en même temps qu'Europe 1 à l'occasion de la diffusion désormais quotidienne d'On va se gêner sur cette radio FM ici à Bruxelles, mais pas seulement à Bruxelles d'ailleurs, hein, parce que par exemple à Bruxelles c'est 101.4, ça vous le saviez. 101.4, mais si vous nous écoutez à Charleroi par exemple, c'est 102.3. Non, c'est 101.4 aussi. C'était un piège. Mais en revanche à Liège c'est 103.2. Voilà. Voyez. Ah oui, à Liège c'est 103.2. Ah, on avait fait le pari que ce serait vous le premier qui prendrait l'accent belge, on a gagné. Alors en tout cas on peut écouter notre émission sur Twiz Radio. À Namur c'est 99.7 par exemple. Vous connaissez Mons? Oui. Vous connaissez Namur? Oui. Là, ils avaient prévu de faire un rallye qui relierait Hiroshima, Mons, Namur. Ah, ça aurait été chouette. Bien c'est sûr. Très connu Namur. Ah oui, non, c'est Hiroshima, mon Namur. Oui. Je viens de la comprendre. C'est pas mal. Ouais, je suis sûr que mon Il y a Wavre aussi. Wavre. Ça, ça a été mais alors, la ville que je déteste le plus. Pourquoi Wavre? Parce que, écoutez, quand j'étais enfant, mes parents écoutaient, autant le dire, une radio concurrente. Il y avait toujours une publicité pour un parc d'attractions. Walibi. Voilà. Et la speakerine, toute la journée, elle disait Wavre. Et moi, je croyais que c'était Wavre. Évidemment, j'étais gamin. Et je demandais à mes parents d'y m'y emmener. Et ils me disaient non, c'est trop loin. Et je comprenais pas pourquoi ils voulaient pas m'emmener. Et voilà. Et aujourd'hui, on comprend pourquoi tu as fait cette carrière. Laurent, même à Paris, devant un public soi-disant très, très évolué, pas comme vous ici, les ploucs, même à Paris, il lui arrive d'en faire d'aussi mauvaises. Hein. Non, mais c'est pas un mauvais jeu de mots, c'est la vérité. Mais vous avez ce qui me navre dans cette histoire. C'est la souffrance. C'est que je sais quand le parc d'attractions a été ouvert, j'ai fait le calcul, et vous aviez 16 ans à l'époque. Il existe depuis quand? Allez, sérieusement, il existe quand? Il existait depuis, je sais pas, je demande au public, vous vous souvenez? Parc d'attractions au Havre. Combien? Il a ouvert ça après l'indépendance du Congo. Après l'indépendance du Congo. Alors, voyez? Attendez, il y a une chose très intéressante dans ce que vous dites. Le Congo est indépendant? Alors là, c'est une vraie information. Il fait quand même très froid ici à Bruxelles. Ouais, hein. Il faut le dire, il faisait froid à Paris, mais alors il fait encore plus froid ici. Hein. Ouais. On est plus au nord. Hein. C'est vrai. C'est normal, on se rapproche des lapons. Il n'y a plus de saison. On n'a pas beaucoup de rennes, enfin on en a une. Mais elle est dans un enclos, pas loin d'ici. Il n'y a toujours pas de gouvernement, c'est toujours... Toujours pas de gouvernement. Non.